venez, 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 venez. Venez, 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 bonjour, 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 ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Moi ça va jusqu'à partager, vous savez que je ne viens pas souvent en direct, non, enfin, du moins ces derniers temps, si je ne suis pas trop en direct, est-ce que ça va? Je sors de la livraison, mes gens. Agnès, Annie, ça va? Bip les autres, faut les biper. Moi, je ne sors pas souvent en direct. Chaque temps, ces derniers temps-ci. Chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps. Jules, comment tu vas? J'étais à Paris faire la livraison, le goût de ça. Hey! Comme on dit, quand tu fais ton travail, il faut faire ça bien des. Parce que tu ne sais pas qui te regarde. En tout cas, je t'ai livré les Américains. Le petit déjeuner était bon jusqu'à Marie Poupette. Ah, c'est ça que tu parles petit comme ça. J'ai pris mon petit déjeuner. Hé, hey, Adama. Le goût de ça, les Américains m'ont offert le petit déj. Ah. Ouais, tu es là comme ça, ta chose. Tu dors, tu ne sais pas que là où tu vas te lever là. En tout cas, quand tu as le Saint-Esprit qui te guide. Tu vas seulement sauf que faire les choses comme il faut. Moi, je me suis levé moi le matin. Je savais déjà que j'allais partir livrer. Mais je me suis dit, ah, comme c'est un jour comme ça là aussi, non. En plus, il y a le vent, il pleut, le temps est bizarre. Ça donne seulement envie de rester au lit, non. J'ai dit, vous ne partagez pas. Hein? Pourquoi ma page fait un bracata, un genre comme ça là? C'est quoi ça? Hein? On n'est pas férié aujourd'hui. 1er novembre, c'est férié ou pas? Adama. C'est férié ou pas? Ouais, le Misunga qui part aux États-Unis. Seigneur, fais en sorte que le Misunga là arrive. Fais en sorte que le Misunga là arrive. Que les chiens qui viennent souvent renifler là. Vraiment, qui passent à côté, qui ne soient même pas là seulement. Pour renifler le sac là, que le Misunga là arrive, Seigneur, parce que c'est pas la première fois que j'envoie le Misunga aux États-Unis. Ouais, non, mon Misunga est toujours arrivé, mais comme on dit toujours, faut mettre la prière là-dedans. Moi j'ai mis la prière, Seigneur, il faut que le Misunga là arrive. Faut que le Misunga là... 20 minutes de vérité, ma fille, ça va? 20 minutes de vérité du peuple, est-ce que tu vas bien, ma fille? Il faut que le Misunga là arrive, ma fille. Aide-moi à faire la prière là. Il faut que le Misunga là arrive. Que ça arrive la qualité qui est que... Ouais. Que ça arrive la qualité qui est que... Vraiment, la femme qui va manger ça. La dame, pas la femme. La dame qui va manger ça. Oh, celle qui a commandé son Misunga là. Seigneur, que le Misunga là arrive. Que mange ça la qualité qui est que... Hey, elle reste comme ça. Elle dit que... Hey, enfin, j'ai mon Misunga ici qui est venu me retrouver. Oh. Tata Doudou, merci beaucoup, le goût de ça. Le goût de ça, parce que de toute façon, j'ai lavé ça hier. J'ai lavé, j'ai attaché. Hey! J'ai lavé, j'ai attaché. Hey, maman. J'ai cuisiné ça avec amour. Hey, 20 minutes de vérité, ma fille, je t'ai dit, il faut prier. Oh, faut prier. Il faut que le Misunga arrive, que ça soit le cas. Aïe, 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 aïe. Quand elle mange, ça, on commence à dire que, hé, Adama. Donc, le Misunga, s'il pouvait arriver, c'est comme ça là-bas, c'est ça qu'elle mange. Et je suis venue à la rencontre de son mari, justement, qui est venu ici, là. Et il a pris le Misunga parmi et tout. Et on espère que le Misunga arrive. Vous voyez un peu, non? Vraiment. Il faut que le Misunga arrive, mes gens. Mais je suis sûre qu'elle va faire la vidéo pour me dire que ça a arrivé. Eh, Adama, on peut prier comme ça là. Même Dieu a déjà écouté. Parce que de toute façon, le Saint-Esprit m'a levé aujourd'hui. De toute façon, je suis partie d'abord. J'ai fait mon petit caca après avoir bu mon café. Je me suis douchée. J'ai enfilé mon jogging là, tranquille. J'ai mis mon petit rouge à lèvres avec ma petite perruque ici. Je dis que bon, let's go. Mais bizarrement, j'avais tellement peur, je me disais que ah, le trafic, parce que moi je n'aime pas,
Je n'aime pas conduire pour les livraisons. Hein. Sincèrement, je n'aime pas ça. Pas Misunga, lui, il a déjà l'habitude. Lui, il aime ça. Donc, chacun son truc. Donc, j'appréhendais, vu l'heure, que le monsieur m'a dit il faudrait que je sois là telle heure, telle heure. Parce qu'il a encore des courses à faire et il faudrait qu'il parte tôt. J'ai dit, hey, le trafic là, il y a une certaine heure à respecter pour arriver là-bas. Il ne faut pas que je loupe ma sortie. Hein. Voilà, c'est bon. Donc, quand j'arrive sur la route comme ça, la maman, la route est vide. Je dis, waouh! Déjà, je suis allé accompagner ma fille. Je l'ai laissée au travail. Et après, j'ai continué. Je dis, waouh, la route est vide, je suis seule. Ça m'a rappelé un peu lors du confinement quand il y avait la COVID là. Je suis restée comme ça, je dis, wonderful. Mais je suis seule là. Il n'y a presque personne. Mais j'ai roulé. L'heure à laquelle on s'est convenu, je suis arrivée une heure à l'avance. Hey, le goût de ça. Le goût du respect de l'heure. Être à l'heure. Donc, je suis arrivée. Un monsieur très gentil. Oh, magnifique, j'adore ça. J'aime quand on me reçoit comme ça, vraiment, avec tout le respect, avec toute la convivialité, avec tout. Ça dit, le monsieur me dit, mais tata Doudou, garde bien. Parce que moi, je suis toujours en warning. Hein. Je m'arrête, j'arrive à l'adresse. Moi, je mets ma part de warning. J'appelle la personne, je dis que je suis là. J'arrive, le monsieur me dit, mais tata Doudou, garde bien. Je crois que je suis en. Il est seul. Et deux autres s'amènent encore pour venir m'accueillir. Eh, hey, maman, les embrassades de ça. C'est-à-dire que même si tu avais quelques problèmes qui te tourmentaient, rien que l'accueil, quand on t'accueille comme ça, la maman, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. J'étais déjà toute joyeuse. C'est-à-dire que la paix du cœur que j'avais, elle s'est multipliée encore par 50, 100 même, 1000 même. Ah. Il me dit, tata de Dougar, bien, moi, je voulais t'offrir un petit déjeuner et tout. Je dis, hein, petit quoi? Moi, non, c'est vrai, moi, je mange pas souvent le matin. C'est très rare que je mange le matin. Vraiment, même quand je fais les vidéos où je mange là, c'est parce que c'est pour animer un peu. Mais je suis quelqu'un d'habitude, je ne mange pas le matin. J'ai dit, partagez le direct, non. Vous me voyez en direct comme ça, vous ne partagez pas. Maman, une grande star comme moi, comme ça, que les Américains me respectent. Je suis seulement à 82 personnes. Il y a un problème ici ou quoi? Hein? C'est quoi avec vous? Vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas. Allez biper les autres, non. C'est quoi? Pourquoi vous êtes comme ça même? Aïe, Adama, on peut mépriser quelqu'un comme ça. Eh, hey, Seigneur, c'est pas possible ça. La Stamania, là même, c'est des degrés, des degrés. Que le genre, que quand je suis même en direct comme ça, là, vous devez déjà être même 300, 400 personnes. Vous venez me manquer de respect comme ça sur ma page. Moi, je suis star, hein. Je vous dis que je suis star. Faut pas blaguer avec moi, dès. Je suis star. I am the star. Je suis star. Une maman Misunga internationale comme moi. Une Ganou Misunga comme moi, là. Hein? Mais c'est pas possible, ça. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Maman Misunga internationale comme moi. Que je viens comme ça, là. Je viens vous divulguer la positive attitude. C'est-à-dire que l'esprit de joie, d'amour, hein? On respire la forme et tout pour un 1er novembre comme celui-ci. Le premier jour du mois que vous verse la bénédiction. Que je vous verse la santé. Que tous ceux qui sont malades là, qui se lèvent au nom tout puissant de Jésus. Hein? Que je viens vous verser la joie. Que je viens vous verser l'abondance. Et vous êtes là, vous ne partagez pas mon direct. Eh, hey, Seigneur, c'est pas grave. En tout cas, même si vous allez revoir, après vous allez revoir. Moi, je vous dis quand même que je suis star. Je suis star. I am the star. I am the star que le Saint-Esprit a béni ce matin. Alors, je suis partie pour livrer. Maman, c'est l'anglais que tu veux voir. Massa, les Américains, vous êtes forts en tout. À Tizabouama. Même quelqu'un qui vit aux États-Unis, tu sens la fraîcheur en lui. Hein? C'est quelque chose qui est là, ça se voit. Et puis, c'est comme nous quand on part au pays. Une benguiste reste un benguiste, mon frère.
Rien que l'eau là seulement nous lave, même si tu ne mets pas le parfum, l'eau là seulement nous lave, ça nous lave, on a un autre teint et tout. Hein. De vérité, tu dis quoi? Hein? Ça nous lave seulement, tu vois, on ressent que voilà une benguiste et tout. Hey, mes gens. Donc, je suis partie, j'ai fait ma livraison, j'ai pris mon petit déjeuner, vraiment très décontracté, très relax, très. Waouh! C'était un très bon moment et tout ça là. Quand tu as le plaisir de rencontrer d'autres personnes et tout ça, hormis de ton cadre, ton confort et tout, et que tu vois d'autres visages, d'autres personnes et des gens qui sont vraiment très heureux de te voir parce qu'ils t'apprécient par ton savoir-faire. Ça dit qu'ils te valorisent par rapport à ce que tu leur montres et ils t'encouragent. Vraiment, je ne vous dis pas que ça, ça réchauffe vraiment, ça réchauffe. C'est-à-dire, on est là dans ces réseaux sociaux, on ne peut pas savoir qui vraiment nous regarde, mais on a des personnes parce qu'on s'attend toujours à une c'est une quantité de personnes, on pense toujours que ça ne reste que dans ça, alors que même une vidéo, déjà du fait que tu apparaisses, ça va très loin et tu ne peux pas imaginer quelle personne est là qui te suit, le genre de personne que tu impactes, parce qu'il y a beaucoup qui sont là qui ne sont forcément pas obligés d'apparaître, mais qui sont en retrait, qui peuvent te regarder d'une façon ou d'une autre, peut-être pas dans ton direct, mais peut-être après ton direct, ils iront te voir, soit sur YouTube ou autre, vous voyez? Et c'est vraiment très, 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 très encourageant de le savoir. C'est pour ça que moi, je me suis mise un peu en retrait, vous allez constater mon comportement. Dans les réseaux sociaux, je fais ce qu'il y a d'essentiel, ce que les gens attendent vraiment de moi. Tu fais quoi, mon père? Vas-y, avance un peu, non? Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Moi-même, je ne vous cache pas que ça m'encourage vraiment. J'ai des moments difficiles des fois où mon business bat de l'aile, mais il ne faut jamais désespérer dans la vie. Il ne faut jamais désespérer. Parce qu'on ne sait pas où ça va venir. Hein? On ne sait pas où ça va venir. Mais quand tu as des belles personnes, vraiment des âmes pures, des gens qui sont là pour t'encourager, rien que ça, tu perçois ces ondes positives et ça te donne la force de continuer. Malgré que matériellement, ce n'est pas ça. Hein? Matériellement, ce n'est pas ça. Mais tu te dis, il ne faut jamais baisser les bras, il faut continuer. Surtout quand tu le fais, fais ta chose avec un bon cœur. Fais ta chose avec un cœur pur. Fais ta chose avec un cœur sincère. Parce que c'est autant de choses qui vont révéler vraiment ta personnalité, qui vont révéler ton travail. Ton travail, ce que tu es venu vraiment exactement dire aux gens. Tu vois? Et moi, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer vraiment ces âmes qui m'encourage là, parce que c'est quelque chose qui est, c'est un feeling, ça se fait tout seul, c'est-à-dire on ne force pas, ça se fait vraiment tout seul. Et ça fait que moi, dans ma lancée, dans ma détermination, où je me dis qu'un jour, un jour, la petite là a chanté tu verras pour toi, tu auras ta part. Hein? Comment elle l'appelle? Chris M. Là. Elle a chanté quoi? Ta part n'est pas encore venue. Voilà. Un jour pour toi va sortir. Voilà. Donc un jour, je dis toujours ça, pour moi va sortir. Où? Mais je ne sais pas. Voyez un peu. Donc je suis fière avec mon travail que je fais là, en tant que Mami Sunga. Traiteur international où j'ai fait mes preuves dans les mariages, baptêmes, communions, tout type d'événements là. Franchement, je suis... Oui, qui croira verra. C'est ça. Moi, j'y crois beaucoup. Donc, je suis fier. Je suis fier. Et de voir ce retour là
à l'échelle internationale, ça veut dire qu'il faut continuer toujours, même si c'est dur. Parce que je vous dis que c'est dur, hein. C'est très, 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 très dur. Faut pas se laisser... Faut pas se laisser abattre. Faut continuer, faut continuer, faut continuer. C'est très dur. Nganou, lui, tape les gens pour être fort. C'est-à-dire, il te donne... Bim! Il percute, boum, boum, comme il a fait avec Tyson. Il donne les hypercutes et tout ça, là. Moi, ma part, c'est de laver le Misunga. C'est d'être traiteur. Revaloriser notre culture culinaire camerounaise à l'échelle internationale. Et je le fais avec brio. Vous voyez un peu, non? Donc, ça va là-dedans. Ça va là-dedans. Je suis très contente. Je suis très fière. Oh, j'ai dit, on est ferré aujourd'hui. La route est vide. Hein? Même comme il y a eu les petits embouteillages là et tout. Mais c'est calme bizarrement là. Le 1er novembre, c'est février. C'est férié. 1er novembre, là, c'est férié. Vous avez vu comment mon teint brille, non? Mon teint brille parce que j'utilise les produits de Z de l'or. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai posté tout à l'heure... c'est férié. D'accord, ok. Je comprends pourquoi c'est un peu vide là. Vraiment, il n'y a personne dehors. Hein. J'ai posté tout à l'heure la photo de la gamme de toilettes de chez Z de l'or que j'utilise. Je vous dis que je l'utilise tout le temps. C'est mon lait de toilette. Alors, il y a un commentaire qui m'a interpellé tout à l'heure en disant que tu es sûr que c'est ça que tu utilises tous les jours. Bien sûr que j'utilise ça tous les jours. Quand je fais la publicité sur ça, parce que je vais vous dire, quand tu es égérie d'une marque, c'est qui est sûr, ça devient ton lait au quotidien. Parce que moi, avant de venir parler de quelque chose, comme je dis toujours, je pense que celle-là ne me suit même pas. Elle aussi, elle est venue commenter parce qu'il fallait commenter. Ouais, elle ne me suit pas. Donc, quand tu es égérie d'une marque, ça veut dire que tu utilises ces laits-là. Tu utilises ces crèmes là, d'accord? Il ne faut pas confondre avec le fait que je sois partie chez la star, d'accord? Star Messin, que je dis, elle a sorti sa gamme, elle déjà c'est par affinité, mais je suis allée l'encourager. Je suis allée l'encourager, c'est très important, c'est l'affinité. Mais sauf que je lui avais dit, ce sera difficile pour moi parce que moi j'ai déjà un contrat ailleurs de faire ta publicité. Donc, et pour moi, je ne peux pas sauter d'un lait à un autre comme ça là. Moi, quand j'utilise une gamme, je reste sur la gamme. Et elle ne me crée aucun problème. Dans la mesure où, vous voyez bien, depuis que j'utilise, vous êtes là, vous voyez tout le temps, chaque temps, chaque temps. Depuis que j'utilise, c'est peut-être au début là que, bon, le temps que le lait ou les produits s'adaptent à ma peau, ça m'a créé des petits... comment on appelle ça, des petites impuretés, mais bon, ça s'est nettoyé très rapidement. Peut-être parce que je ne savais pas comment utiliser ça aussi. Vous savez, il y a les produits pour le visage, il y a les gommages, il y a pas mal de petits produits qu'il faut utiliser. Donc, c'est tout un protocole à suivre. Donc, le temps que ça vienne, vous voyez un peu, doucement, doucement, ça se rectifie. Et donc, il ne faut pas confondre avec ça. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là qui croient que je fais de la publicité. Non, j'utilise. Et moi, quand ça ne va pas, je te dis carrément que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, j'utilise ça. Je vais vous montrer, si vous voulez, on va commencer. Semaine, tous les jours. Hein? Tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Comment j'utilise ces produits. Et là, là, tout à l'heure, je vais vous montrer. Parce que quelqu'un qui utilise... la boîte ne peut pas rester pleine. Hein? C'est qui je suis, ça va se vider à force d'utiliser. Ça se vide, non? Ça se vide, non? Donc, quand tu vois quelqu'un qui vient mettre un commentaire pour dire que tu es sûr que c'est ça que tu utilises. Moi, je ne fais pas les contrats parce qu'il faut faire. Je fais les contrats parce que je sens déjà que moi-même, à la base, c'est ce qui...
si je commence à utiliser ça, il faut d'abord essayer. Ah oui, il faut d'abord essayer. Il y a les contrats où les gens font, ils donnent l'argent, non? Hmm? Il y a les contrats où les gens donnent l'argent pour faire la publicité et ils utilisent autre chose. Mais moi, j'utilise vraiment. Celui-ci, je sens qu'il va venir me déranger ici, là. Mais je quitte même d'abord. Je m'en vais au centre-ville. Je suis déjà arrivé, mais je vais aller chercher le petit déjeuner pour maman parce que ce qu'elle déjeune souvent avec, il n'y en a plus. Plus, je vais aller prendre son petit déj. Comme ça, on va causer un peu. Je traîne un peu comme ça, hein, pour qu'on ait le temps de d'être ensemble, hein, parce qu'on ne joue pas tout le temps connecté. Vous voyez un peu. Donc c'est une histoire pour rester un peu avec vous. Hein? Dites-moi là, mais si vous dites ah Tata Doudou, on te voit plus trop. Qu'est-ce qu'il y a, Tata Doudou, tu n'es plus trop présente et tout. Non, parfois il faut laisser aussi souvent que les autres s'expriment et que les autres puissent aussi. Avoir de la place, il faut laisser de la place aux autres. Et puis quand tu vas regarder vraiment dans notre communauté, c'est tout le temps les mêmes choses, les clashs et tout ça là. À un moment donné, on a envie de voir autre chose et puis on a un peu envie de sortir de là. Hein? Donc moi je suis quelqu'un, j'aime souvent me mettre un peu en retrait quand je vois qu'il y a déjà trop de bruit, un genre là. Moi je me retire d'abord. C'est comme ça que moi je fais souvent. Donc je laisse aussi un peu la place à cette nouvelle génération qui arrive aussi, qui veut se faire connaître. Donc je leur laisse aussi un peu l'espace. Mais j'ai mon espace à moi. Vous voyez un peu, non? Je vous attends seulement quand vous voulez organiser vos petits événements là, les mariages et tout. Là où vous allez venir me solliciter. Voilà. J'ai ma place aussi. Parce que moi je nourris mon blog avec mes publicités. Mes publications que je fais, je nourris mon blog avec, hein. Ma nourriture que je prépare chaque temps je mange là. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé devant vous, hein. Il faut que je fasse encore une petite bouffe où je mange et tout ça là. Vous voyez un peu, non? Mm-hmm. Donc, voilà. Vous n'écrivez pas beaucoup, hein. Et aussi la fleur. Tu me manques beaucoup, Tata, en direct. Oui, je suis là, ma chérie. Je suis là. Je ne te manque pas en tant que tel, mais je suis là, t'inquiète. T'inquiète, de temps en temps, je suis là, je fais des petites vidéos si je peux et tout. Ah, c'est maman qui m'appelle déjà. Hein. La vieille femme là me cherche déjà. je vais lui dire qu'on va va s'appeler plus tard. Peut-être qu'elle vient de se réveiller et tout. Est-ce que c'est ici même? Non, c'est pas ici. C'est de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que... Moi, j'utilise bel et bien la gamme Z de l'or. Et elle peut me faire des problèmes. Heureusement que c'est quelqu'un de compréhensif. Mais elle peut me faire des problèmes dans le sens où... Mais monsieur, on ne roule pas comme ça en agglomération, hein? Oh, regarde-moi ça. Donc, c'est un peu ça. C'est chaud, hein, pour trouver de la place ici, en centre-ville. C'est vraiment chaud, hein. Ah, peut-être j'aurai la chance d'avoir quelqu'un qui part. Tu peux pas me dire que tu n'avais pas la peine de t'arrêter. Ah oui, il y a le marché aussi. Bon, je vous lis un peu. Patricia Makoso Mboko. Bonjour, Tata. Mes salutations à maman. Oh oui, oui, oui. Je vais lui dire, oh ma chérie, je vais lui dire. Là, je pense qu'elle vient de se réveiller, là. Je suis venue prendre son petit déj. Parce qu'elle prend souvent le chocolat le matin. C'était déjà fini. Je vais prendre du pain. Je vais prendre aussi de l'eau. Je suis une bonne personne avec un grand cœur. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Merci. Sandra Almond, bonjour. Siana, merci pour les cœurs. Donc voilà. J'étais faire ma livraison ce matin. Pour tous ceux qui veulent le Misunga,
Vous m'appelez au 06 58 15 90 06. Le Misunga est disponible. La promo du poisson est finie. Donc, si vous avez besoin du poisson, vous commandez, il sera vraiment en une pièce. D'accord? Il sera en une pièce et non par deux. La promo est finie, c'était pour lancer. C'était pour lancer et tout. Voilà. Donc, si vous avez besoin de commander, n'hésitez pas. Je suis là. Tout ce que vous avez besoin. On va à la recherche de la place. On vient déjà me chasser ici. Je vais vous appeler tous ces gens-là. Je vais vous appeler après. Je pars vite prendre la place parce que le monsieur là a hâte de partir. Je pars vite prendre la place là-bas. Je ne peux pas rester ici là. Et puis, j'espère que je vais pouvoir garer aussi. Le ndolet, le poisson braisé, le porc, tout ce que vous avez besoin, vous n'hésitez pas à me contacter au 06 58 15 90 06. D'accord? On fait comme ça. Donc là, je suis déjà arrivée. J'étais faire une très belle rencontre aujourd'hui. Du coup, ça m'a mis du boum au cœur. Ça m'a mis du boum au cœur et je suis contente parce que là, vraiment, je vais passer une bonne journée. Je vais passer une bonne journée. Je suis contente. Ça, ça s'appelle la conduite. J'ai vraiment eu mon permis. Très bien. Je suis bien garé là. Voilà mes gens. Donc, vous avez dit, vous avez déjà tout. Et n'oubliez pas aussi, n'hésitez pas à commander, à commencer à réserver vos places pour l'été prochain. Hein, pour tous ceux qui veulent se marier là et tout, vous cherchez un traiteur, ne cherchez pas loin. C'est pour ça que je vous demande souvent de partager mes vidéos. Mais merci à tous ceux qui partagent aussi. Merci à tous ceux qui me valorisent. Merci à tous ceux qui apprécient vraiment ce que je fais. Merci beaucoup. Merci pour tous vos encouragements. Vraiment, c'est grâce à vous que je suis I am the star. Je suis star. Je suis star. Je revendique ça. Je dis que je suis star. Je suis star. Même quand vous ne voulez pas partager. Mais ça, à peine si j'ai... Vraiment, l'algorithme de Facebook, là, parfois, c'est bizarre, hein? L'algorithme de Facebook, il peut faire comme ça, il te refuse les vues jusqu'à... Il te refuse les vues. Après un temps, là, ça vient seulement vous. C'est versé seulement comme ça, là, que vous, toi-même, tu vois encore. Mais seulement un truc, c'est là, c'est que moi, je ne booste pas souvent mes pages, hein? Ne booste pas. C'est quand tu boostes, il finit par être habitué. Ursula Fleur, merci pour les cœurs. Mycléonique. Voilà, donc je suis déjà arrivée à destination, mes gens. Je voulais seulement vous faire un coucou ce matin. Vous envoyer aussi un peu d'onde positive pour le nouveau mois qui commence. Vraiment, vous-même, bénissez-vous-même. Apprenez à vous bénir. Bénissez-vous. Kimberly Kambou. Yes, you are the star. Tata dit, yes, I am the star. I am the star. Yes. Donc, bénissez-vous. Bénissez souvent vos familles. Bénissez souvent vos enfants, vos maris et tout. Quand ils sortent de la maison, vous leur mettez la bénédiction là, plein versé comme ça, là, là, waouh. Vous voyez un peu. Bénissez-vous. Bénissez-vous même le mois qui commence là, que vous rencontrez des bonnes personnes. Tous ceux qui sont dans le commerce là, vraiment que le Seigneur vous guide à ce que votre petit commerce soit fructifié afin de tomber sur des bonnes personnes qui vont vraiment acheter. Parce qu'il y a des agents souvent que des gens achètent. Les gens achètent, l'agent qui te donne là, tu ne fais rien, hein?
L'argent là passe seulement que vous. Vous voyez un peu. Voilà. Comme ça que vous soyez déjà bien. Bon, je vous laisse mes gens. Moi, je m'en vais continuer mes petites courses. D'accord? Sandra Almond, la star bénie. Oui! La star bénie. Je me suis bénie moi-même ce matin. Je vous dis, en ce 1er novembre-ci, je me suis bénie moi-même ce matin. Est-ce que je savais alors que la bénédiction là allait marcher? Adama, on m'a bien reçu là où je suis. Aïe, les Américains, oh, aïe. Les Américains là m'ont bien reçu là-bas jusqu'à... Le sourire même déjà. Parce qu'il y a des gens qui sont chiches avec leur sourire, hein. Le matin, comme ça, il se réveille, il va à la rencontre d'autres personnes et tout. Quand il sort de son confort, là, tu as l'impression qu'il a seulement les problèmes avec toi. Le bonjour même que tu sors de ta bouche pour lui dire bonjour. Façon qu'il va te regarder de la tête aux pieds, tu vas rester seulement que, hey, j'ai les problèmes avec la personne-ci. Hein? Hum. Donc, bénissez-vous pour rencontrer des bonnes personnes. Des personnes qui vont, ne serait-ce qu'à travers le sourire, qui soit communicatif, un sourire qui soit contagieux pour que ça te pénètre à l'intérieur de toi. C'est comme ça. Et là, ça va faire que tu seras de bonne humeur toute la journée. Quelqu'un même qui va même venir pour faire un genre, tu dis seulement que pardon, papa, passe ta route. Je suis trop bien où tu me vois là. Donc là, où je viens de me séparer avec les Américains là, je suis bien jusqu'à. Je suis de bonne humeur jusqu'à. Vous voyez un peu, non? Je suis de bonne humeur, Nampiang. Personne ne peut venir m'enlever cette humeur-là. Personne ne peut venir m'enlever le sourire-là. Personne ne peut venir m'enlever la joie que j'ai dans le cœur-là. Que le matin, tu te lèves. C'est pas la nourriture, hein. Mais c'est le genre que la personne t'accueille. C'est important, hein. Je vous dis que c'est important. Quelqu'un se lève le matin, il ne te sourit pas. Toi, tu lui dis bonjour, mais lui, il ne te dit pas bonjour. Même toi-même, ça va t'interpeller. Ça va te dire, aïe, Massa, j'ai dormi avec la personne là ou quoi? Pourquoi la personne l'a fait comme ça là? Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, je suis bien avec mon cœur là. Je suis en haut. Ouais. L'a dit. Merci beaucoup. Oh. Merci, merci. C'est vous qui me mettez en haut, non? En partageant. Ladi mange. Mandja Sangou. Merci, c'est vous qui partagez. Et voilà. Mon chef-d'œuvre se fait connaître partout, 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 partout. Stéphanie Dabo, bonjour. Donc voilà, mes gens, je vous laisse. Hein. Je vous transmets ma bonne humeur, ma joie de vivre. Vraiment, que ça vous couvre. Tout au long de ce mois-ci, ce mois de novembre qui commence et tout. D'accord? Et moi-même aussi avec dedans. C'est aussi par rapport à ta simplicité, Tata Doudou. Oui! Moi, ma simplicité, que je fais même quoi de spécial. Vraiment, je suis comme tu me vois là. Je ne fais rien de spécial. C'est pas quelque chose que je vais méditer à être. Il faut que je sois simple. Il faut que... Non, vraiment, c'est ma nature. Moi, je suis comme ça. Faut déjà avoir ça. Bon, après maintenant, il y a quelques petites retouches des fois à faire sur le comportement et tout. Bon, ça c'est des choses qui arrivent. Hein. J'aimerais savoir comment faire des misunga comme vous savez le faire. S'il vous plaît. Il faut regarder mes anciennes vidéos. J'ai des vidéos quand même, mais comme je fais souvent déjà des petites vidéos et tout, je vais vous montrer un peu comment attacher. D'accord? On reçoit Tata Doudou. Mon anniversaire, c'est le 8 novembre. J'attends ton souhait. À ce moment-là, tu viens donc dans mon WhatsApp. D'accord? Tu viens dans mon WhatsApp. Si tu veux que je publie, tu m'envoies une photo et je publierai. Moi, ce sera avec plaisir. J'ai l'impression maintenant que vous n'avez pas remarqué que tout est devenu business maintenant. Même dans l'amitié, même tout est devenu business. Où sont passées nos valeurs qu'avant tu rencontrais quelqu'un, mais vraiment tu te faisais une bonne rencontre. Tout est maintenant avec intérêt. Tout est maintenant avec intérêt. C'est-à-dire que j'ai aussi constaté avec les stars qui sont déjà devenues stars. Parce que c'est vous qui nous rendez stars. Tu ne peux pas venir comme ça d'entrée, tu commences à parler, que tu parles plus que qui. Que tu fais les choses plus que qui.
Mais une fois qu'ils sont déjà arrivés en haut, la star, les gens qui ont plus d'abonnés, là, les 1 million et tout, tout, ils ne laissent plus apparaître n'importe qui, hein. Sur le, ils ne laissent plus apparaître n'importe qui sur leur fil d'actualité, hein. Même pour aller commenter, ça devient compliqué. Hein? Quand moi je peux le faire, je le fais. Au contraire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que bon, voilà, au moins il y a quelqu'un là-bas et tout. Tu m'envoies ta photo si tu veux que je publie. Je publie. Hmm? Si tu ne veux pas, je peux comprendre aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Je te souhaite en privé, hein. Mais il faudra me le rappeler. Tu vois, parce que j'oublie vite. J'oublie beaucoup. Je suis préoccupé par beaucoup de choses. Il y a mon travail, il y a ma famille, il y a mes propres occupations personnelles. Voilà maman aussi qui est déjà là, tu vois. Il y a plein de petites choses comme ça qui vont faire en sorte que peut-être ce jour-là, je ne pourrai pas vraiment spécialement penser à toi. Donc, tu me fais un rappel. Donc, tu viens dans mon WhatsApp. Hein? Mon numéro, c'est le 06 58 15 90 06. Et après, tu m'écris WhatsApp. Il y a beaucoup de gens qui le font, hein. Beaucoup de gens le font, pas spécialement pour apparaître dans les réseaux sociaux, mais parce qu'ils ont compris aussi que je suis une personne aussi discrète. C'est-à-dire, tu peux avoir ton histoire parce que tu peux avoir besoin d'un conseil, hein. Tu peux m'appeler aussi, tu me dis, bon, écoute, tata, mais tout dépend si je suis prête à t'écouter, parce qu'il faut tenir souvent compte de ça aussi. Si la personne est prête à t'écouter, c'est pas vraiment là. Si tu appelles là que ton besoin est pressant, je peux t'écouter si ça vient trouver que je suis disponible aussi. Mais si ça vient trouver que je suis occupé, il suffit seulement de respecter et peut-être rappeler plus tard, parce que c'est souvent le soir tard ou très tôt le matin que je suis souvent à l'écoute. Hmm? Plus tard et très tôt le matin. Là, j'ai déjà fait le vide de tout ce que j'ai eu comme préoccupation dans la journée. Et là, je viens me poser tranquille. Donc, je serai réceptive à ce que tu as envie de me parler. Et puis après, s'il y a un conseil à te donner, je te donnerai le conseil. Mais jamais tu ne vas entendre que je viens m'asseoir ici pour parler de ça. Non, je ne peux pas parler de ça. Ça reste privé. Quelqu'un qui me contacte en privé, ça reste privé. Il y a des situations aussi où on me demande d'en parler. Bon, peut-être je n'ai pas souvent le temps, hein, ou c'est pas souvent le moment d'en parler. Je parlerai peut-être plus tard. Mais quand on me donne l'aval, comme là, je suis allé livrer l'Américain. L'Américain m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Tata Doudou, au contraire. Hmm? Il m'a dit au contraire. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas que j'apparaisse. Vous voyez un peu. Donc, moi, je suis souvent en retrait de tout ça. Merci beaucoup, Stéphanie Ndabo. Merci beaucoup. Donc, mes gens, je vous laisse. Je vais m'occuper un peu de maman, là. Je vais prendre son petit déj. Je sais qu'il y a l'eau, les fruits, son chocolat, ses gâteaux pour son petit déjeuner. Tout est déjà fini. Je n'ai pas eu le temps hier parce que j'étais plongée dans le Misunga. Je n'ai pas eu le temps de faire tout ça hier. Donc, aujourd'hui, là, comme je suis sortie, je vois les magasins qui sont ouverts, là. Je suis au centre-ville. Marie Comblée de Glace, comment ça va, ma chérie? Je me bats comme je peux. Je suis là. Et n'oubliez pas mes enfants aussi. Merci à tous ceux qui ont contribué à mes enfants là. Benjamin était vraiment dans le besoin. Et merci aussi à ma panne officielle. Vraiment, c'est un monsieur qui est magnifique. Il est à l'écoute des 100 voix. Il va sur le terrain. Il va vraiment prendre les besoins pour des gens qui sont vulnérables. Vulnérables dans le sens où qui sont abandonnés, qui n'ont plus de moyens, qui ne savent pas comment faire. Surtout les gens qui sont en situation d'handicap. Et merci vraiment beaucoup pour tout ce travail qu'il fait. Il a été voir Benjamin dernièrement, qui était dans le besoin d'avoir un médecin. Et
Il est parti, il a fait la vidéo, il a fait le déplacement de Douala. Il est venu jusqu'à son chevet. Il a fait une vidéo. C'est ça que j'ai publié. J'aimerais souvent aussi que vous partagez ce genre de vidéos. Vous savez, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, sincèrement. Parce que c'est des gens comme Benjamin. Il n'a plus de famille. Il n'a plus de parents. Est-ce que vous voyez un peu? Imaginez-vous que vous avez vos enfants. C'est un peu, c'est des orphelins. Non seulement ils sont orphelins et ils sont vulnérables. Vulnérables dans le sens où ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Donc ils ont toujours besoin d'assistance. Ils ont toujours besoin d'un accompagnement. Que ce soit un accompagnement financier, que ce soit un accompagnement physique. Ils ont toujours besoin de quelqu'un. Et le fait de tenir compte de ça, pour tous ceux qui ont eu à participer à sa cagnotte, que Mapana a eu à mettre en place, un SOS venant de ma part et même venant même de Mapana, j'ai dit merci. J'ai dit merci parce qu'ils ont besoin tout le temps. Et nous, on est là, on a des besoins. Là, maintenant, j'ai ma part de besoin. Je sais que j'ai besoin de faire mes courses. Je marche de moi-même. Je vais monter, je vais descendre. Je vais même chercher mon argent comme je suis en train de chercher l'argent là que je fais ma part de business, les Misunga et tout. Eux, ils ne peuvent rien. Ils sont là alités. Alités. Benjamin est tétraplégique. Ça veut dire que tous les membres là, ça ne bouge plus. Il est couché. Bertin qui est paraplégique. Paraplégique, ça veut dire que c'est tout le bas qui ne fonctionne plus. Il est lassement comme ça. Ils ont besoin de couches. Ils ont besoin des soins. Bertin a perdu sa maman l'année dernière, en décembre. Il a perdu sa maman l'année dernière. Il se retrouve seul. Et maintenant, la seule personne qui pouvait s'occuper de lui aussi, sa sœur. Sa sœur-là est malade. On a fait une cagnotte dernièrement le concernant. Cet argent qu'il a pu récolter, il pensait que ça allait peut-être... ça allait peut-être... On va dire quoi? Ça allait peut-être... arrondir un peu certains besoins. Mais... sa sœur est tombée malade. Donc tout l'argent qu'il a pris, c'était pour soigner sa sœur. Mais les besoins, ses propres besoins en lui sont toujours là. Il faut qu'il y ait des kinés. Il faut qu'il mange. Il faut des couches. Il faut qu'il paye le loyer. Il faut son bien-être même à lui. Les vêtements, tout. Imaginez un peu vous, votre quotidien, comment vous êtes. Et vous vous retrouvez maintenant dans cette situation que vous ne pouvez rien. Vous avez besoin de quelqu'un. Parfois, il se retrouve comme ça. Je vais être même un peu dur. Malheureusement, c'est ça. Il se retrouve, s'il n'y a personne pour leur changer, qu'il a fini de faire caca sur lui, il n'y a personne pour changer, il fait comment? Il se retrouve avec plein de microbes qui se prolifèrent. Les escars et tout, parce qu'il est sur place, il ne bouge pas. Donc la peau aussi, elle commence à se bouffer. Ça fait des escars. Beaucoup, ils sont sujets à beaucoup d'infections. Donc quand ils ont un peu comme ça et qu'il y a aussi des bénévoles qui sont là, au moins, ils se soucient pour son bien-être. Il sait que avec l'argent que vous cotisez, il sait qu'il peut s'acheter ses draps, il peut s'acheter ses serviettes, il peut s'acheter ses couches, il peut s'acheter son petit nécessaire, au moins manger même. Parce que des fois, il se retrouve que personne ne donne à manger. Personne ne donne à manger mes gens. Donc, je voulais vous dire merci. Vous qui avez pensé à ça, n'oubliez pas aussi. Quand vous avez un peu, vous envoyez. Vous leur envoyez aussi. Je vais remettre ça sur ma page. Je vais mettre ça sur ma page, leurs coordonnées. Comme ça, vous envoyez et tout. Merci à ceux qui l'ont vraiment fait. Benjamin était tombé. Lui, il avait besoin d'avoir des soins. Et il a fait la radio. Finalement, il a eu une fracture de la hanche. Parce que c'est tous les quatre membres qui ne fonctionnent plus. Donc, ce qui fait que... je crois qu'on lui fait... Où il s'est retrouvé seul.
où il se battait. Hein? Il se battait. Parce qu'à un moment, là où il habitait avant, je vous avais dit qu'il y avait les souris qui venaient le bouffer sur place. Donc, il se retrouvait avec des blessures. Il voit la souris, comment la souris... C'est-à-dire que la souris est là en train de, la bouffe, de le bouffer. La chair même sort. Il ne peut pas se défendre. Donc, quand il y a des gens qui viennent souvent là aussi pour lui faire la toilette, c'est là où on découvre ça. Donc, on le couvre avec le drap. Mais les souris du Cameroun là, les souris du Cameroun, les souris du Cameroun, quand ils savent déjà qu'il y a la nourriture quelque part, maman, ils percent même. Jusqu'à percer les draps. Ils percent encore le drap. Hein. Ils savent qu'il y a la nourriture là-bas. Ils percent encore. Il mange la personne vivante. Ouais, la personne est vivante. Hein. Le pauvre, il ne peut pas se défendre. La personne est vivante. Il mange, il mange, il mange. C'est des images que je ne peux pas publier sur ma page. Sinon, elle va sauter. Parce que c'est choquant. Vous voyez un peu, non? Tu vois la blessure ouverte comme ça que la souris, déjà qui est pleine de maladies, la souris vient là. La souris vient, elle commence à manger le pied, elle mange l'orteil. Elle laisse l'orteil, même elle part dans une autre partie, le talon. Elle bouffe le talon, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. Le gars saigne. Mais il ne peut rien faire. Quand il se retrouve seul, parce qu'il n'y a personne. Il a beau appeler même, vous savez, les gens sont partis dans leurs occupations et tout. Donc, il a eu la chance d'être, de cohabiter avec une autre personne là. Ils ont pris un appartement. Il a sa chambre, l'autre personne a sa chambre. Quand elle peut cuisiner, c'est comme ça qu'ils mangent aussi ensemble. Hmm? Donc, ces personnes en situation de handicap là, ils sont vraiment très vulnérables. Très vulnérables, vraiment. Donc, je voulais ici remercier vraiment votre élan de cœur, de solidarité, d'avoir contribué à leur cagnotte. Donc, comme j'ai expliqué, qu'il s'est cassé la hanche et ça nécessite une opération, je crois. Il m'avait dit qu'il faut une opération et on lui demandait 400 000. 400 000, à plus de 400 000, on lui demandait pour cette opération. Bon, il ne m'a pas dit s'il a tout eu, mais je sais qu'il va rentrer à l'hôpital et il y a une caution de 250 000 qu'on lui a demandé. Donc, il doit se rendre à l'hôpital pour ça. Et ce n'est pas facile, vraiment. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que je viens souvent encore solliciter votre aide. Hmm? Je viens souvent encore solliciter votre aide. Moi seul, je ne peux pas tout faire. Parce que moi-même déjà aussi, je fais ce que je peux. À la limite de mes petits moyens, je fais ce que je peux. Vous voyez un peu. Donc, quand j'ai, j'envoie aussi. Quand j'ai, j'envoie. Parce que je sais ce qu'il y a. Et je sais ce qui leur manque. Quand je pars au Cameroun, je m'en vais souvent leur rendre visite. Mais je vous dis que c'est des gens qui ont vraiment besoin d'avoir, d'être accompagnés. Hmm? Ils ont vraiment besoin. Donc, voilà. Je crois que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais continuer, moi, à mes petites occupations. On se dit à plus tard, ok? Je vous fais des gros bisous. Je vais me filmer avec mes produits. Ceux qui veulent aller, ceux qui veulent commander les produits des aides de l'or, n'hésitez pas, d'accord? Et n'amenez pas la polémique avec les produits de la Star Messin. Parce que c'est comme ça que vous êtes. N'amenez pas la polémique dessus. Elle est au courant, elle sait. Mais j'étais partie pour encourager dans le sens où il y a des affinités. D'accord? Il y a des affinités. Mais je suis en contrat déjà avec quelqu'un depuis. Hein? Je suis déjà en contrat avec la personne. Et ce n'est pas bon pour que je c'est un peu comme un sabotage de marque. Vous voyez? Donc, ça me restreint un peu parce que avec plaisir, j'aurais fait sa pub. Tata Majolie, elle est fait déjà... Elle utilise ses... Tata Majolie, elle utilise ses produits. Mais moi, je ne peux pas utiliser et montrer dans le sens où je suis déjà avec... je suis déjà en partenariat quelque part. Hein? Voilà. Donc...
Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à plus tard. Bisous.